Les Américains passent beaucoup de temps à chercher des complots. C'est presque devenu un passe-temps national. Par exemple, John F. Kennedy a-t-il été assassiné par Lee Harvey Oswald ou par la CIA? L'homme a-t-il réellement marché sur la Lune ou s'agit-il d'un canular d'Hollywood? Et maintenant, le dernier événement de cette nature, le 11 septembre et les Truthers. Jonathan Kay est auteur et journaliste. Vous savez, dans la culture américaine, il existe une tradition de populisme qui s'est manifestée tout au long de notre histoire. Cette tradition veut que, quelles que soient les élites au pouvoir, le peuple s'est toujours donné le droit de les contester. Les politiques de Bush ont réveillé le militantisme. Either you are with us, or you are with the terrorists. Selon John Farmer, avocat conseil lors de la commission sur les événements du 11 septembre, le gouvernement américain, en voulant dissimuler ses erreurs, a lui-même provoqué la naissance des Truthers. Quand la version officielle des événements ne coïncide pas avec la réalité, l'imagination des gens s'emballe. Et c'est là qu'apparaissent toutes sortes de théories, comme celle du complot suggérant que le gouvernement soit l'instigateur de la destruction des tours en y installant des explosifs à chaque étage. Jusqu'ici, il n'y a absolument aucune preuve pour soutenir cette théorie. Nous avions ce mythe aux États-Unis que notre gouvernement, contrairement à d'autres, était honnête envers ses citoyens, que nous formions une nation exceptionnelle. David Ray Griffin, un théologien renommé, s'intéresse au 11 septembre. Je viens juste de me joindre au mouvement. Il comprend bien la controverse entourant ce mouvement. Si nos propres dirigeants ont orchestré ces attaques et nous ont menti, cela signifie qu'ils sont responsables de cette tuerie et qu'ils nous ont trahis. Trahir la confiance de ses citoyens, c'est commettre un crime très grave. La revue britannique New Statement vient de le désigner comme l'une des 50 personnes les plus influentes au monde. Selon Griffin, les appels téléphoniques du 11 septembre, prétendument effectués dans les avions sur le point de s'écraser, sont un coup monté par le gouvernement. Exemple, celui effectué par l'agente de bord, Betty Young. Le poste de pilotage ne répond pas. Quelqu'un a été poignardé en classe affaires. Je crois qu'il y a du gaz, car on ne peut pas respirer. Je pense que notre avion est détourné. Il y a eu une quinzaine d'appels téléphoniques en provenance des quatre avions. Ils étaient soi-disant faits à partir de téléphones cellulaires. Et plusieurs des supposés appels effectués par les pirates de l'air proviendraient aussi de cellulaires. Griffin soutient qu'il est impossible pour un passager de faire des appels à partir de son téléphone cellulaire dans un avion. Comme preuve, il cite les recherches du Canadien Key Dudney, professeur d'informatique à l'Université Western en Ontario. Ses recherches sont reconnues internationalement, comme ici à la télévision japonaise ou encore sur l'Internet. Il a découvert que sur les gros porteurs, plus on monte en altitude, moins les communications par cellulaire sont bonnes. À 300 mètres d'altitude, on perd le signal. Ce sont les moteurs de l'avion et la grande quantité de métal des appareils qui interrompent le signal et rendent toute communication impossible. Alors, quand l'appareil vole à 10 000 mètres d'altitude, je dis, oubliez ça, c'est impossible. Le résultat de ces recherches est reconnu par le milieu scientifique. Selon Dudney, les appels des téléphones cellulaires du 11 septembre sont des faux. Et même les appels des téléphones de l'avion, qui fonctionnent pourtant à haute altitude, auraient été aussi truqués. Allô, mon chéri. Écoute-moi bien. Je t'appelle de l'avion. On a été détourné. Je veux dire que je t'aime. Un de ces appels est celui de Cici Lise à son mari avant l'écrasement du vol 93 en Pennsylvanie. Je ne sais pas quoi dire. Trois types ont détourné l'avion. J'essaie de garder mon calme.
Il y a aussi des enregistrements de l'équipage et ceux des contrôleurs qui tentaient de leur parler. Et c'est le chaos lorsque l'avion disparaît des écrans radar. Qui de nez soutient que tout ça a été concocté par les services de renseignement américains afin de berner la population? On nous fait croire que ces appels sont le fait de terroristes arabes qui avaient pris le contrôle des avions et qui scandaient des slogans religieux. On entendait des cris. C'est ce qu'ils ont dit. Des cris de frayeur et de haine. C'est exact. C'est très facile de simuler un appel radio. Je peux faire un message radio avec n'importe quel environnement sonore, avec des effets de bagarre. Nous avons pris contrôle de l'avion. J'espère avoir la chance de te revoir, mon ami. Le message de Mme Lyles est chargé d'émotion. Son mari a reconnu, hors de tout doute, qu'il s'agissait bien là de la voix de sa femme. C'est une histoire géniale. C'est fantastique et ça contribue à la thèse que l'avion a effectivement été détourné par des pirates de l'air arabes. Je dois dire, désolé, mais cet appel aussi était simulé. Comment le savez-vous? Je ne le sais pas. Il doit l'être. Pourquoi? Parce que c'était impossible de faire d'autres appels. Le professeur Doudney croit que tous ces appels résultent d'une minutieuse opération d'un service de renseignement ciblant les passagers. On rassemblait des informations personnelles sur eux, puis on élaborait des textes lus par des acteurs et filtrés par des ordinateurs qui imitaient leur voix. Le poste de pilotage ne répond pas. Je pense que notre avion est détourné. Mais même avec le meilleur système d'imitation vocale, comment des acteurs auraient-ils pu connaître le nom des animaux domestiques et les expressions personnelles des passagers pour convaincre leurs proches qu'ils parlaient réellement avec eux? Personne ne peut connaître ce genre de renseignement personnel, pas même un service de renseignement. Et ils ont gaffé. L'un d'eux s'est trompé en appelant sa mère. Bob Brigham. Il a dit « Allô, maman, ici, Bob Brigham ». En fait, ce n'était pas Bob Brigham, c'était plutôt Mark Bingham. Doudny fait référence ici à un des passagers du vol 93, Mark Bingham. Sa mère dit qu'il l'a appelé, il lui a décrit le détournement. Mark Bingham, peu importe, c'est ça. Allô, maman, ici Mark Bingham. Bon, d'accord. Est-ce qu'il parle habituellement ainsi à sa mère? Probablement que non. Selon Doudney, c'était une preuve que l'appel n'était pas de son fils. Avez-vous contacté sa mère? Non. Elle s'appelle Alice Hoagland et elle affirme que c'est le genre de blague qu'il faisait au téléphone pour s'amuser. Elle dit que lorsqu'il l'appelait, il utilisait parfois cette façon de se présenter. Cela signifie seulement qu'ils ont fait un excellent travail. Un autre exemple de question sans réponse, peut-être l'appel le plus important de cette journée-là. À bord du vol 77 d'American Airlines, la présentatrice de télévision Barbara Olson contacte son mari, Ted Olson, alors solliciteur général des États-Unis. Il a dit à CNN qu'elle lui avait parlé du vol 77 à deux reprises, pendant une minute chaque fois. Il n'était pas certain si c'était d'un téléphone cellulaire ou d'un téléphone air-sol. Mais il a dit qu'elle avait mentionné que les pirates de l'air étaient armés de couteaux et d'exactos. C'est le seul appel qui mentionne les exactos. C'est donc un appel important puisqu'on savait que les pirates avaient des exactos. Ted Olson a déclaré au FBI que sa femme avait appelé deux fois ce matin-là, des appels d'environ une minute chacun. Toutefois, selon la preuve déposée par le FBI dans une cause relative au 11 septembre, Barbara Olson n'aurait pourtant fait qu'un seul appel du vol 77, et cet appel a duré zéro seconde. De deux choses l'une. Soit Ted Olson a été trompé par de faux appels, soit il a inventé toute cette histoire. D'une manière ou d'une autre, la version officielle est basée sur un mensonge.
Aucun journal, aucun magazine, aucune station de télé à travers les États-Unis n'a rapporté ce fait, pourtant révélé par le FBI en 2006. En supposant que toutes ces théories parallèles soient vraies, les tours jumelles du World Trade Center se seraient écrasées sous l'effet d'une démolition contrôlée. Le Pentagone n'aurait pas été frappé par un avion, mais par un missile ou même une bombe. Le vol 93 de la United Airlines aurait été détruit par l'armée américaine. Qu'est-ce que tout cela signifierait? Combien de gens seraient impliqués? Et comment une conspiration d'une telle envergure aurait-elle pu demeurer secrète aussi longtemps? Ce sont des questions auxquelles les partisans du Mouvement pour la vérité ont beaucoup de mal à répondre. Les détracteurs du mouvement des Truthers leur reprochent d'offrir bien peu de scénarios de rechange crédibles à la version officielle. Mais eux, ils croient que leur mission est de révéler à tous que l'histoire officielle du 11 septembre est un mensonge. Une fois la population convaincue, elle exigera une nouvelle enquête, cette fois avec toutes les ressources gouvernementales disponibles. Et cette enquête nous dira ce qui s'est vraiment passé. Le professeur Key Dunne croit avoir résolu cette énigme en réorganisant les événements, en les remettant en ordre chronologique. Résumons votre hypothèse. Ces quatre avions de ligne auraient décollé ce matin-là pour ensuite recevoir l'ordre de se poser sur une base militaire. Possiblement. Puis deux autres avions de ligne, trafiqués aux couleurs de United et d'American Airlines, auraient repris les trajectoires des vols 11 et 175 pour aller s'écraser dans les tours jumelles. Essentiellement, oui, c'est ça. Et ils étaient téléguidés. Si je comprends bien votre théorie, ensuite les passagers et les membres d'équipage sont montés à bord du vol 93 de United Airlines, qui s'est écrasé à Sharksville, en Pennsylvanie, en tuant tous les témoins, et un missile de croisière ou un avion de chasse a même frappé le Pentagone. Par la suite, Dunne a suggéré que les trois avions de ligne restants se sont abîmés dans l'océan Atlantique. Oui, oui. Est-ce possible? Oui, je crois que c'est une bonne piste pour expliquer ce qui a pu se passer. Est-ce possible? Bien sûr, pourquoi pas? Prouvez le contraire. C'est de la folie, donnez-moi une objection. Après la pause, le talon d'Achille de la version officielle. Le bâtiment 7 du World Trade Center. Il n'y avait aucun avion. Aucun impact n'a déstabilisé le bâtiment.